Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo parce que ben, comme vous l'aurez noté certainement et comme vous l'aurez tous vu je pense dans le titre, quoi vous dire, oui j'ai fait des achats chez Noz mais pas que. Voilà, je ne vais pas beaucoup parler fort parce que je suis malade. Voilà, j'ai chopé froid en sortant de ma formation, donc ben voilà, je vais pas parler trop fort. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est parce que j'ai ouvert la fenêtre et que je suis en bordure de route. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Noz, mais pas que. Voilà. Et puis juste peut-être quelques petits trucs après. Voilà. On commence tout de suite. Donc je suis partie chez Noz puisque j'étais en formation lundi, je suis en formation toute la semaine comme je vous l'avais dit, et je vous avais dit que j'allais peut-être vous poster peut-être des petites vidéos comme ça sur mes achats parce que je pense que vous les aimez bien. Voilà, j'ai vu sur internet, sur les réseaux sociaux, sur Facebook plus précisément, qu'il y avait donc des arrivages Casey Art. Petite parenthèse, pour les personnes de Luxeuil-les-Bains et de Besançon, foncez. Voilà, ce sera ma seule petite parenthèse du jour parce que Luxeuil-les-Bains, il y en a encore. Voilà, et puis Besançon, je pense qu'il y en a, ou si c'est pas arrivé, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Autre petite parenthèse, pour les personnes qui sont sur Facebook et qui, j'entends beaucoup, oui, mais bon... les arrivages, moi il n'y a jamais rien dans mon os. Ne vous inquiétez pas, les arrivages n'arrivent jamais aux mêmes dates prévues sur le site. Si vous voulez, si vous avez des questions, appelez directement vos noses. Voilà, ne passez pas par Facebook parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Tout bête, à Marseille, il va avoir un arrivage super bien achalandé pour, par exemple, des tampons clear, du matériel de loisirs créatifs. Et par exemple, sur Brest, bah, il ne va rien avoir. Bon, alors, si vous avez un doute, pareil, vous avez aussi la carte. Vous tapez Noz, hein, vous n'êtes pas... Je pense que tout le monde... Enfin, j'ai envie de dire tout le monde ou presque c'est le faire, mais tapez Noz dans la barre de recherche de Google et à un moment donné, vous avez recherche ou par ville ou par code postal. Voilà, et ben vous tapez votre code postal ou vous tapez votre ville et vous savez s'il y a un Noz ou pas dans votre région. C'est pas plus compliqué que ça. Les filles qui postent des photos ou des ventes, elles n'ont pas inventé la lune. Hein. Enfin bref, c'était ma petite parenthèse du jour. Voilà. Quoi vous dire avant qu'on attaque tout de suite de ce que je vais vous montrer, de ce que moi j'ai acheté. Voilà, donc oui, donc je suis en formation donc, toute la semaine, 8h, 17h, voilà, en ayant une pause bien entendu pour le repas. Donc voilà, donc pour ceux qui me posent des questions sur les différents groupes, etc., ben c'est en attente et je réponds quand je peux. Voilà, parce que c'est pas toujours facile d'aller sur internet. D'ailleurs, je vous dirai pas que c'est pas facile, j'ai envie de vous dire que ce n'est limite pas possible d'aller sur internet en formation. Je suis là pour travailler, je ne suis pas là pour être sur internet. Voilà. Voilà, bon, ben je crois que assez papoté, assez bavardé, je vais vous montrer les achats que j'ai fait. Donc je suis allée donc le lundi et le mardi. Voilà, donc si vous réunissez tout ce que je vais vous montrer, ça fait un jour. Voilà, mais je suis allée 2 jours parce que bon, au final il y avait les filles qui m'ont demandé de vendre, donc enfin bon, bref. Voilà. Donc le lundi, que je regarde quand même, parce que, hein, le lundi. Ouais. Donc, comme vous pouvez le savoir, il y a eu donc les arrivages de chez Casey Art. Alors, j'ai pris moi, oui, donc j'ai pris moi, ah, ben, ouais, enfin c'est pas grave. Donc j'ai pris donc les fleurs en papier.
Là, la caméra, elle est mieux, je trouve. Elle est vraiment mieux, elle est bien. Donc voilà, donc les petites fleurs de chez Casillard. Donc j'ai pris blanc. Donc j'ai repris blanc puisque je suis allée donc 2 jours, comme je vous l'ai dit. Il y avait bleu. Voilà. Il y avait violet. Alors violet, il est. Je l'adore. Bah oui. Ça va bien avec mon pull. Donc il y avait violet et il y avait jaune. Voilà. Donc si vous voyez, donc il y avait donc ces 4 couleurs. Enfin, il y a toujours ces 4 couleurs pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc il y a jaune, blanc, bleu et violet. Voilà. Il n'y avait pas de rouge, il n'y avait pas de rose. Enfin voilà. Les 4 couleurs. Voilà. Je les ai pris, je me suis pas embêtée. Voilà. Voilà. Ensuite, il y avait donc les tampons. Donc il y avait pour moi, il y avait ce thème-là, donc thème vacances. Je vais tout vous montrer en tampon, ça sera plus simple parce que sinon je crois qu'on va pas s'embêter. Et j'ai pris donc les mêmes pour j'avais pris les mêmes, mais ceux-là ils sont en attente de vente. Voilà. Il y avait, enfin il y a toujours, voilà, donc il y avait donc des glitters petites paillettes comme ceci. Voilà. Donc je vous dis le prix tout de suite, c'est 75 centimes. Voilà, moi j'en ai pris deux. J'en ai pas pris pour tout le monde parce que j'estime que j'ai pas de l'argent pour tout le monde. Voilà, petite parenthèse aussi. Voilà. Donc il y avait celui-là, il y avait plusieurs couleurs. Il y avait du violet, je crois, il y avait du jaune, il y avait du bleu. Voilà. Pardon. Voilà. Moi j'en ai pris deux. Par contre, pour celui-là, j'ai failli le dire à la vendeuse, puis au final, je me suis pas embêtée. En fait, quand vous avez des articles comme ça, s'il vous plaît, ne prenez pas. Ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû y aller à midi, directement avec le ticket de caisse. Parce que quand vous avez des produits comme ça chez Noz à Luxeuil-les-Bains, là je pousse ma, on va dire, ma pas contente, ma fâchée. Moi je ne suis pas d'accord d'avoir des articles comme ça. J'aurais dû le rapporter, je ne l'ai pas fait, c'est de ma faute. Mais quand même, attention, 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 je le dis et je le redirai, enfin voilà. Attention aux articles, désolé et excusez-moi du terme, de merde comme ça. Je vous montre de plus près. Le produit, il est éclaté. Or, ça fait bien à côté de ça. Ça fait très bien, ça. Mais ça, je l'accepte pas. Pour 75 centimes, faut quand même pas abuser. Donc, Noz, si vous passez par là, merci d'achalander un petit peu plus et de moins mettre le souk dans vos rayons. Voilà. Et puis, faire quand même attention à vos produits. Enfin, je sais pas, il y a un moment donné, c'est pas vendeur, ça. C'est pas vendeur. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Sinon, oui, donc comme je le disais, il y avait plusieurs couleurs. Bon, moi, c'est pareil. Je vais déjà essayer celui-là, déjà. Les glitter paillettes pour les comment? Ah zut! Vous savez, les checkerbox. Pardon. J'ai du mal aujourd'hui, mais je crois que ça peut se comprendre. Voilà, les checkerbox. Donc, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire une checkerbox avec cette couleur-là. Voilà. Voilà. Et puis, il y avait. Alors, c'est pareil. Ça, il y en a. Je dépêche avant qu'il tonne. Je crois qu'il va pas tarder à tonner, quoi. C'est pareil. Il y en a beaucoup. Si je joue le mal endroit, ça sera mieux. Il y en a beaucoup. Alors, pour ceux qui ont, ben, pour ceux qui sont de Luxeuil-les-Bains, Besançon, or Besançon, je sais plus, mais Luxeuil-les-Bains, c'est tout au fond vers la vitrine. Tout au fond, il y a un grand carton. Eh ben, il y en a dedans. Alors,
essayer de voir quand même les pas ouverts. Voilà, parce que je me suis fait avoir deux fois, le code ne passe pas, alors ça c'est très chiant, et le prix passe pas non plus. Bon, je veux bien qu'on soit chez Noz, mais au bout d'un moment ça gave. Nous, on est clients. Maintenant, s'il n'y a pas de formation, s'il n'y a rien, moi je m'en vais. Voilà. Donc il y en a beaucoup. Moi j'ai pris le degré. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Je suis désolée du bruit, hein, mais je regarde en même temps. J'ai pris donc le Dove Gray. Donc il y avait, donc il y en a un petit peu pas mal. Voilà. Il y en a un petit peu pas mal. Mais il y a plus de ça que de ça. Donc si vous êtes un petit peu créatif, allez-y. Pardon. Je disais, si vous êtes un petit peu créatif, allez-y. Et puis sauter sur l'occasion parce que à 1,99€ les trois, franchement, c'est vraiment pas cher. Voilà. Je vous ai pas donné le prix des tampons non plus. C'était 1,99€. Voilà. Voilà. Je trouve que j'ai été plutôt raisonnable sur les 2 jours de noces. Bon, ça commence à faire un peu cher. D'un côté, ouais, d'un côté c'est bien parce qu'on a quand même ce qu'on veut, mais de l'autre ça fait un peu cher. Je trouve quand même que pour des quesillards à 1,20€, il y en a quand même beaucoup, mais je trouve que quand même c'est un petit peu abusé. Un petit peu, je dis bien. Oui, je sais, je vais me faire taper sur les doigts, c'est pas grave, j'en ai rien à faire. Voilà, c'est juste qu'à 1,20€, ça fait un petit peu abusé. Voilà. Voilà. Et donc cet après-midi, donc ça c'était donc ça. Hein, ça c'était donc lundi et mardi. Donc il y avait le lundi, il y avait ça. Il y avait ça. Et il y avait ça, je crois. Et le mardi, il y a eu ça, je crois. Il me semble. Ah non, non, non. Le mardi, il y a eu les deux que je vous ai montrés tout à l'heure qui sont en attente de réception. Voilà. Voilà ce que je me suis pris, puisque je me suis dit, bon, c'est bien, bon, voilà. Mais bon, j'aurais eu plus de sous, je vais vous dire une chose, j'aurais dévalisé le magasin. Maintenant, il y a des gens qui sont un petit peu créatifs, donc je leur laisse aussi la place. Voilà. Et puis, je suis allée donc chez Auchan cet après-midi, puisqu'on allait faire les courses avec mon chéri. Et donc là, j'ai été très 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 raisonnable parce que vous avez toujours un rayon loisirs créatifs. Au début d'Auchan, maintenant, vous avez le rayon vraiment loisirs créatifs. Alors bon, c'est pareil, Auchan, je crois que ça commence moi à me saouler un petit peu parce que changer les rayons toutes les 5 minutes, stop. Le client, d'accord, mais le client, si c'est pour qu'il se perde dans les rayons, non. Faire un facing ou faire un facing, oui, ou une tête de gondole, d'accord. Mais si c'est pour faire un facing, une tête de gondole avec la moitié des articles, moi j'ai envie de dire stop, quoi. Voilà. Enfin bon, je suis pas là pour critiquer, mais quand même, je trouve quand même que les magasins sont un peu abusés, voire beaucoup. Je suis pas la seule à le dire, mais bon, je ne veux pas non plus critiquer tous les magasins. Si je pouvais faire, et si j'avais les moyens, j'en ferais un. Bref. Donc je suis passée donc au champ à Luxeuil-les-Bains, toujours pour du loisir créatif. Alors j'ai vu, mais ça c'est vrai que pareil, je ne me suis pas arrêtée. Enfin, je me suis arrêtée, oui. J'ai posé la question à mon chéri pour lui dire au fait qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses de deux produits. Il m'a dit, écoute, ça dépend de ce que tu veux en faire. C'était des glitters comme ça, donc des paillettes. En gros pot où il y avait par pot de 3. Bon, je me suis posé la question. Le gros pot, c'est bien parce que vous pouvez en mettre un petit peu pas mal. Voilà. Le petit, enfin les pots de 3, bon, c'est bien parce que vous pouvez choisir la couleur. Le gros pot, si vous pouvez choisir la couleur. L'avantage qu'il y a dans le gros pot, c'est que bon, il y a plusieurs couleurs, c'est sympa, mais que les flacons sont pleins. Or, quand je vois des flacons comme ceci, mais à là, moi je dis non, surtout pour 2,50 €.
Voilà, les produits, il faut qu'ils arrivent, il faut qu'ils soient pleins. Là, moi, je suis contente, il est plein. Il est plein. Oui, bon, ben, mais il est plein pour moi. Pour moi, il est plein. Mais quand vous voyez, par exemple, un produit comme ceci, ben moi, je dis non pour 2,50 €. Voilà. Oui, je sais, je suis beaucoup rentre-dedans ce soir, mais j'ai envie de dire pas mal de choses. Voilà. Et donc je me suis dit, bah voilà, j'ai regardé un petit peu, puis je lui ai demandé, voilà, si ça ne le dérangeait pas que je prenne un truc. Il m'a dit, non, vas-y. Et donc j'ai pris ceci. Voilà. Alors, la marque Xika, elle est très bonne, je trouve. Pour certains produits, elle est bien. Pour d'autres, non. Voilà, alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Mais je crois qu'on voit tout, c'est tout. Mais en fait, c'est du ruban adhésif, hein, double face. Et je me dis, pour les checkerbox, c'est pas mal. J'ai bien envie d'en faire une. J'ai vraiment envie d'en faire une parce que je vois sur les réseaux sociaux qu'il y en a pas mal qui en font. Donc je me dis, pourquoi pas? Voilà, j'avais pas le matériel adéquat, maintenant je l'ai. Voilà, donc je vais pouvoir commencer. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour mes achats. Je trouve que je suis quand même assez raisonnable. Je le deviens de plus en plus puisque bah, parce que je me dis tout simplement que moi personnellement, j'ai pas envie de jeter l'argent par les fenêtres. Donc voilà, ça sert à rien qu'on se prive, enfin bon, qu'on achète du matos si c'est pour ne pas s'en servir. Voilà. Ça, c'était mon matériel. Maintenant, je vais vous parler. J'ai envie de dire, pas comme d'habitude, mais quasi à chaque fois. Non, mais. Je vous ai fait donc la dernière fois, la dernière vidéo, je vous ai fait mes ventes. Voilà. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une vente. Voilà. Je vous fais une vente, donc il me reste ces trois couleurs-là. Donc le rose. Pardon. Voilà, le rose. Il me reste le parme violet. Et il me reste le marron. Le marron est super beau, je trouve. Voilà. Alors, pour un petit peu mettre les choses au clair, parce que j'ai pas l'impression que ça soit au clair pour tout le monde. Oui, c'est à 1,20 €. Voilà. Je vous le dis, je le cache pas. C'est 1,20 €. Voilà. Maintenant, vu que ma dernière vidéo apparemment a fait un petit peu du souk, je vais m'expliquer. Peut-être que tout le monde n'a pas vu mes commentaires. Il s'avère que quand j'achète moi des articles de chez Noz, de chez Ziman, de chez Action, il s'avère que j'enlève les prix. Je vais m'expliquer là-dessus, ne vous inquiétez pas. Je prends le temps de réfléchir en même temps de ce que je vais vous dire pour ne pas raconter de bêtises. Il s'avère que moi, au lieu de mettre 1,20 € et de vous vendre le prix magasin, c'est-à-dire Noz, je vais un petit peu vendre un petit peu plus cher. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le prix de Noz qui m'intéresse. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, voilà, Noz, c'est les prix et tout. Ok, pas de souci, je vous dis pas de souci. Mais regardez sincèrement sur eBay, Amazon et compagnie, combien de personnes sincèrement vendent plus cher? Là, par contre, ça dérange personne. Quand c'est moi qui vends, on va dire, un tout petit peu plus cher, là, ça dérange. Il faut savoir que je ne suis ni commerçante, ni professionnelle. Je ne me fais aucun bénéfice. Je n'ai pas du tout la prétention de me faire des bénéfices. Simplement, j'essaie de vendre un petit peu, je dis bien, un petit peu par mois. Je vends un petit peu, tant mieux. Je ne vends pas, tant pis. Voilà. J'espère que vous m'avez tous compris. Parce que je n'ai pas l'impression que ça soit clair pour tout le monde. Quand je vois certaines personnes qui me disent, oui, mais
Vous n'avez pas payé l'enveloppe, vous n'avez pas payé les timbres. Et les timbres, c'est simple, les timbres, c'est 80 centimes. Alors, pour être encore plus précise, je veux bien, par exemple, vous le laisser à 1,20€, le produit, mais de toute manière, il va falloir que je rajoute les frais de port. Alors, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous préférez? Vraiment. Est-ce que vous préférez que je vous vende le produit tel quel et que je vous rajoute les frais de port? Ou est-ce que vous préférez que je vous mette les frais de port dans le prix? Voilà, je vous laisse réfléchir un petit peu sur cette question. Voilà, je vais vous dire une chose. Moi, quand je me fais, par exemple, 5€, je vous donne un exemple. Hein. Par exemple, si je me fais 5€, moi, au mois de février, ben moi, ça fait 5€ pour moi. Alors, c'est sûr, ça vous fait 5€ au moins. Hein. Mais moi, ça me fait 5€ en plus. Je vais vous dire aussi une autre chose. Si les personnes regardent cette vidéo et qu'elles m'achètent à moi, elles ne sont pas dupes. C'est parce qu'elles n'ont pas de magasin Noz, Action, Zimane, par exemple, Max Plus, dans leur ville. Et elles sont toutes contentes d'avoir le produit. Donc à un moment donné, je veux bien que vous critiquiez, mais critiquer pour ne pas que la personne vende, ça j'accepte pas. À un moment donné, c'est chacun ses fesses. S'il veut se mettre en péril, il se met en péril. S'il veut pas, il se veut pas. Voilà. Mais je le répète, je ne suis ni commerçante, ni professionnelle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, vous réfléchissez si oui ou non, vous avez envie de me prendre ou pas. Voilà. Pour être encore un petit peu plus précis, c'est pas tous les mois que je vends. D'accord? Il y a des fois, je vais pas vendre. Et je ne vais pas pleurer. Je vends, tant mieux. Je ne vends pas, tant pis. Je vais me répéter, mais j'espère qu'au moins, vous comprendrez, quoi. Parce que il y a des personnes, elles vont vendre, je sais pas, moi, 50€ de plus. Et ça vous choque pas. Par contre, quand c'est moi qui vais vendre 1€ de plus, bah ça y est, ça monte dans les tours. Voilà. Voilà, donc un petit peu cette vidéo, un petit peu récapitulative, un petit peu coup de tête. Voilà. J'espère que vous avez quand même passé une bonne semaine. Voilà, j'ai vu sur YouTube que nous étions 34 membres. Donc merci à la personne qui s'est inscrite il n'y a pas si longtemps. Je ne suis pas encore allée voir dans mes paramètres. Voilà. Voilà, pour les fleurs. Alors, pour les fleurs, je n'ai pas encore vu le prix que je vais les mettre. Je ne sais pas si je vais les laisser comme ça ou je ne sais pas si je vais faire autrement. Je vais me faire déjà tout un album pour mettre déjà sur Facebook parce que, bon, entre guillemets, il faut que ça parte. Voilà, mais voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir donc dans ma vidéo précédente de vente parce que j'ai laissé mon email. Voilà, pour me contacter, bien sûr. Maintenant, si c'est pour me dire des horreurs, genre, ouais, t'es conne, on voit que t'es nichon et tout, c'est pas la peine. Hein. Ah non, non, c'est pas la peine. Hein. Là, je vous assure, là, je vous arrête et je pense que j'enlèverai. Hein. Voilà. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je pense que Laurie, petite dédicace à toi, je pense que tu passeras par là, donc je te fais le gros bisou. Moi, ma semaine s'est très bien passée, enfin voilà, je pense qu'on aura peut-être un petit peu l'occasion d'en parler un petit peu ce week-end et puis de voir, voilà. Voilà, moi sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end et puis ben, je vous dis à bientôt. Bye bye.